Rien ici. Je vais devoir demander à quelqu'un où sont ses plans. Qu'est-ce que c'était ? Je reviens dans 2 minutes.
quelque chose de louche par ici. Elle n'a pas le droit d'être ici. Allez, qui que tu sois, montre-toi. Oh, nous avons de la visite. Thank you.
Jure, miss, je ne sais pas où on l'a emmené. Emmené qui? L'homme habillé comme vous. Les gardes l'ont attrapé. Henry, les plans que vous avez volés, où sont-ils? Je ne sais rien à ce sujet. Les plans, la mission. Vous êtes des orphelins de Clara? Ils ont capturé Monsieur Henry! On n'a rien pu faire! Mais quand même, j'en ai mordu un! Ils l'ont emmené dans une voiture rouge! Ils n'iront pas loin. Une des roues avait l'air prête à se détacher. Ça se voit sur les traces. Elles ne sont pas droites. Ce chariot a été percuté. Ils doivent rouler vite. En route. Allez. Et ils renversent aussi les gens. Les destructions du domaine public. Je suis sur la bonne piste. Allez. Ce doit être la voiture. Je l'ai trouvée. Maintenant, Henry. Et voilà. Je ne
peux rien vous dire à propos de la voiture, mais il s'est passé de drôles de choses par ici aujourd'hui. Toutes sortes de gens louches et je pèse mes mots qui traînent dans le coin, armés jusqu'aux dents. Je n'aime pas ça. Oui, je les ai vus traîner quelqu'un hors de la voiture après avoir perdu la roue. Ils ont dit qu'il s'était cogné. Je sais pas pourquoi ils l'ont emmené à l'église, mais c'est là qu'ils sont allés. Suspicious there. Do you think she has someone to look after? Oui, ils l'ont sorti de cette voiture. Fin sou qu'il était. Ils l'ont porté dans la cour de l'église. Peut-être qu'il cherchait un endroit où dessouler. C'est toi ! Is that a body ? Normal people don't hide about like that. Il faut trouver la personne qui a fait ça. La fille faille et où c'est là? J'aurais juré que j'avais fermé cette porte. Elle est censée être fermée. Encore des gamins qui se sont amusés, sûrement.
Il revient à lui ? J'en sais rien. Il est pas allé de main morte. Ça risque de prendre un moment. Vous lui avez pas la cervelle ? C'est un assassin ! Ils ont envoyé quelqu'un chercher les plans des rénovations. Vous les avez ? Ils vous ont fait mal ? Tout va bien. Partons. Et les plans ? Où sont-ils ? Oubliez les plans ! Baby, je suis navré. Essayons de rester en vie, Henry. Huh?
Allez montrer ça, Miss Nightingale. Je dois trouver la crypte et le suaire avant Starik. Retournons voir le Maharaja. J'irai parler au Maharaja, aller faire examiner votre blessure. Je suis navré que ma capture ait contrarié vos plans. Vous seriez plus en sûreté dans le train. Même si vous trouvez la crypte, vous ne pouvez pas vous rendre seul à Buckingham Palace. Je ne serai pas seul. On se retrouvera dans le train, Monsieur Green. On dirait que Jacob a reçu du courrier. Ce train est une oasis dans ce monde impitoyable. On dirait que Jacob a reçu du courrier. Le calme me procure une indéniable joie de vivre. Très belle tenue, je dois dire.
l'air très dangereuse. Yeah.
À nous deux, B. Qui es-tu et à quoi joues-tu ? Les Russes croyaient alors nous avoir coupé de nos lignes. Officiellement égradé, levez les bras et ce serait rendu. Chef médiocre. Tiens, tiens, voilà mon vieil ami d'Israël. Alors, Premier ministre, lequel de tes amis s'apprête à te poignarder dans le dos ? La loi sur la collusion est une étape cruciale de la réforme de l'État. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous nous prétendre libres ? Si nous cédons un par un nos droits aux judiciaires, nous ne pouvons plus guère nous prétendre libres. Cela vous ressemble bien, Gladstone. Vous préféreriez vous jeter dans les rouages du progrès plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. Oh, oui. Disraeli, vous déraisonnez, et c'est un euphémisme. Où est-ce que tu ne laisserai pas régner les privilèges parlementaires sur la boue sans rien faire? Non, certainement pas. Préféreriez-vous retrouver le joug de la tyrannie? Tant que nous y sommes, Monsieur Gladstone, nous pourrions brûler la Grande Charte
et rendre la couronne aux Stuart. Oh, comment osez-vous? Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'état... Ne perdez pas de m'insulter. Tiens, tiens, voilà mon vieil ami d'Israëli. Alors, Premier ministre, lequel de tes amis s'apprête à te poignarder dans le dos? La loi sur la collusion est une étape cruciale de la réforme de l'État. Si le parti majoritaire peut imposer les résultats d'élections contestées, comment pourrions-nous nous prétendre libres? Si nous cédons un par un nos droits au judiciaire, nous ne pouvons plus guère nous prétendre libres. Cela vous ressemble bien, Gladstone. Plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. Israélie, vous déraisonnez, et c'est un euphémisme. Je ne vous laisserai pas traîner les privilèges parlementaires dans la boue sans rien faire. Non, certainement pas. Préféreriez-vous retrouver le joug de la tyrannie? Le moral de notre... Tant que nous y sommes, monsieur Gladstone, nous pourrions brûler la grande charte et rendre la couronne aux Stuart. Comment osez-vous? Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'écart des juges que vous pouvez vous permettre de m'insulter. Je ne le tolérerai pas. Dans ce cas, je rendrai votre requête caduque. Monsieur, je ne vous salue pas. B, je présume. Ravi de te rencontrer. B. B? Je m'appelle Herbert. Alors pourquoi suis-tu le Premier ministre? Pour l'argent, monsieur. Quelqu'un m'a payé pour... Petite vipère. Toi. Eh bien, je suis né à Crowley, mais peu importe. Pour qui tu travailles? J'ai jamais su son nom. Un vieux à grosse moustache, avec une sorte d'uniforme, de hussard peut-être. Que veut-il? Pitié, il va me tuer.
Et une chute de 3 étages va te briser les jambes et t'envoyer à l'hospice. Tu ne préfères pas lui échapper? C'est pour demain. Mega doivent attaquer la voiture du Premier ministre sur le chemin du Parlement. Parfait. Allez, c'est bien. Tu es une bonne jument. Venez admirer mes marques. Vous avez très bon. Tard pour une visite. Il va falloir que j'entre dans cette voiture. Attrapez cette fouine! Je préférerais ne pas te tuer, mais... Je vais t'apprendre!
Voyons, que signifie tout ceci? Et qui diable êtes-vous? Jacob Fry, monsieur le Premier ministre. Votre nouveau garde du corps. Personne ne m'a informé d'un nouveau garde du corps. Qui est votre commandant? Laisse-le parler, Dizzy. Madame, mes excuses. Mais on a appris que votre vie était menacée. Et les forces de police sont faites au plus vite. Une menace? Quel genre de menace? De ce genre. Si vous voulez bien m'excuser.